Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Voilà. Alors moi je me suis préparé un petit café comme vous pouvez le voir dans le coin. Alors aujourd'hui on est le 6 juin. Pourquoi je vous donne la date? Je vais vous expliquer. Cet après-midi il faut que je me motive. J'ai deux vidéos à vous monter. Non, j'en ai que deux vidéos à vous monter. Et je vais caler celle-ci avant les autres vidéos. Voilà. Vous allez avoir. Ouais, vous allez la voir avant. Ah, désolée, j'ai un peu du mal. Je suis un petit peu. Alors, je sais pas si c'est un rhume, un courant d'air, quoi. Depuis hier, j'ai la gorge qui me gratouille. J'ai pas de température, j'ai rien, je mange bien. J'ai bien mal à la gorge, mais ça va, je mange des bonbons. Voilà. Et je voulais m'acheter du miel. Et voyez, en parlant de là, bah, voilà, je pensais que j'avais pas acheté mon miel. Bref. Donc, du coup, je fais ce petit unboxing. Pourquoi je voulais vous dire ça? Oui, je vais. Donc, du coup, cet après-midi, j'avais prévu de faire plein de vidéos. Je sais pas si je vais en faire beaucoup. Vous voyez, je me suis calée un peu sur le canapé, j'ai pas dormi. Mais voilà, je fais pas la grande frite. Voilà. Donc, là, je vais me reposer. On va voir si mon état de santé se dégrade. Si elle se dégrade, bah, j'irai chez le médecin parce que mercredi prochain, je pars en voyage avec mon patron. Donc, voilà. Bref. Donc, ce colis s'appelle Désiré. Voilà. Alors pourquoi il s'appelle Désiré? Parce que j'ai fait une boulette. Donc j'ai je suis la préposée pour les cadeaux d'anniversaire des copines, des amis, des copines. Et du coup là on avait décidé que les cadeaux de Valérie la Belge allaient chez Valérie la Normande. Voilà. Donc j'ai changé sur AliExpress mais l'adresse de livraison et quand je commande ça, je change bien l'adresse de livraison pour que ça arrive ici. Sauf que, cruche que je suis, j'ai laissé le code postal de chez Valérie. Et j'ai mis ma commune. Donc, sur le premier colis que j'ai reçu, c'est là où je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait marqué erreur code postal. Et là, je dis putain, l'autre cadeau, l'autre truc, ça va être le bordel. Soit il le renvoie en Chine. Genre ça, et ça a mis plus d'une bonne semaine avant qu'il arrive. Il est arrivé hier, mais dans un quel état? Ah, je crois que j'ai oublié de mettre le sucre. Alors déjà, on voit que la douane, elle est passée par là. Voilà. Et du coup, le colis était ouvert. Bien ouvert. Hein. Bon, moi, j'ai juste ouvert un tout petit peu parce que du coup, j'ai dit, je vais vérifier. Ah j'ai du mal là. Bref. Donc et de surcroît. Bon bah du coup vous voyez que c'est un DP mystère. Voilà. Ce qui m'a surlupiné c'est ça. C'est le fait qu'il soit totalement. Voilà. Alors c'est un 30 par 40. Je vais essayer d'être un peu carré. 30 par 40 et je l'ai payé 13,90 €. C'est un tout petit, un petit peu cher. Voilà. Alors, ce sont des diamants. Donc, on a le tulip de base, la petite plaquette blanche, la pince stylée, la petite truc, la colle. Hein. Donc, un tulip qui est quand même bien complet, pardon. Voilà. Ce sont des diamants en AB. Oui, c'est que des diamants en AB. C'est une toile mystère en diamant AB. Voilà, on va regarder les couleurs ensemble. Je ne sais plus quel thème que j'avais pris.
Flower. 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 Bon, et mon anglais. Vous avez vu comme il est trop beau. Alors, désolé pour le bruit. Donc, c'est tout dans des sachets zippés. Il y a 34 couleurs. Les amis, 34 couleurs. Alors, on va faire un truc. Je ne vais pas ouvrir. Ça fait 2 ans au moins que j'ai pas refait ça. Hein, ce que je vais faire là. Préparer ma toile. Hein, pour qu'elle se mette à plat. J'espère qu'elle va pas se faire des rivières. Bon, après. Des rivières. Elle a des rivières là. Là, je crois que je suis en train d'en créer des rivières. Ouais, je crée des rivières. Alors. Non ! Je suis en train de créer des rivières. Je suis navrée. Je vais vous bouger un tout petit peu. Je vais la glisser dessous le temps qu'on finisse de papoter. Voilà. Du coup, je vais vous caler ici, hop, devant moi. Coucou. Voilà. Donc, ouais, je viens de créer des rivières. Bon, après, elle avait été déroulée aussi, donc ça peut aider aussi. Donc. Tudut. On a 34 couleurs. Je voulais vérifier la taille, mais du coup, je peux pas. J'ai pas envie de la remettre tout de suite. Donc, dans le tableau qu'on a, le numéro, le symbole, la référence couleur, le nombre de sacs. Alors, ça va être compliqué de compter le nombre de sacs, sachant que c'est des sacs zippés et la quantité. Voilà. Donc, là, je regarde vite fait. On a majoritairement du noir parce qu'on a 1372 noirs. Ensuite, on a 1288 diamants à poser en 154. Voilà. Non. C'est celui-là. Bon, on va checker un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas ouvrir le... On va pas ouvrir ensemble le... Quand ça veut pas les amis, je vous le dis. Allez, on va prendre ça. Et je sais plus c'est quoi que je suis en train de vous dire. Oui, je vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie de me spoiler la toile, mais par contre ce qu'on va faire, on va commencer un petit peu à la préparer ensemble. Je sais hein, ce que vous êtes en train de vous dire hein, il y en a une qui est en train de dire mais elle va pas oser. Oui, alors je commence cette petite toile, ma petite Valérie, car je ne retrouve toujours pas les diamants de l'autre. Hein? Donc, et ben voilà, je recommence. Je sais, je me prendrai un petit coup de pied au cul. De toute manière, en ce moment, je suis en mode rébellion. Voilà. Je sais pas si c'est parce que le soleil il est pas là. Hein. Je me rebelle. Ou c'est peut-être parce que j'aime bien me faire taper aussi. Attendez. Je suis peut-être un peu maso sur les bords. Hein, allez savoir. Hein? Allez donc savoir.
Alors, je vais peut-être pas tout préparer avec vous tout de suite, hein. Je prends des ciseaux à couture parce que les autres ils sont trop grands et je trouve pas les autres petits. Je vais me faire flinguer par Valérie. Flinguer, flinguer. Mon mari va faire un avis de recherche, il va dire où est Karine au mois de septembre. Donc là, si j'ai craqué, c'est pas de ma faute. C'est de la faute à Vanessa qui nous a fait voir son unboxing l'autre jour. Et mon doigt, bah, il a ripé. Hein. Écoutez, hein, ça fait ch'clic. Ça fait ch'clic. Alors, pas la peine de me relancer un défi, Valérie. Hein. Je le relèverai pas. Voilà. Parce que je me suis lancé le défi du mois de juin. Aïe, 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 caramba! Vous savez quoi? Je vais vous faire voir les diamants parce que je vois qu'on est à 11 minutes. Je voulais commencer à poser quelques diamants avec vous. Ça, j'y ferai en off. Hein. Donc, mais il faut que je décolle là. Oui, je vais recommencer. Oui, je sais, je sais. Je suis une vilaine fille, je sais, je sais. Je vous dis, je suis en mode rébellion en ce moment. Allez. Je vous fais voir. Donc, on a du 152. On a le 154. On a du 161. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un nuancier de d'habit derrière. 1, 2, 3. Le 4. Le 4, c'est du 209. Le 5, c'est du 210. Le 6, c'est du 301. Ensuite, on a du 310. Du 318. Ils sont trop beaux. Du 327. Du 349. Du 413, 414, 453, 550, non, 498, pardon, le 550, j'ai l'impression d'être au numéro du loto, 647, 648, 762, 817, 818, pardon, 823, trop bon, 890, 924, oh là là, comme ils sont beaux. 963,
33,63. Ce qui me fait peur, c'est la quantité. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, après, ça fait un moment que j'ai pas fait de petite toile. 36,07. 37,56. 38,05. Oh là, l'état de mes doigts. Oh là là. 38,33. 33,38. Les ongles sont dans un état. 38,35. 38,60. Et le 38,68. Voilà. Alors, que de beaux diamants. Hein? C'est assez aplati hein, là. Non, elle n'est pas aplatie. C'est pas grave, elle n'est pas assez aplatie, mais c'est pas grave. Alors, je suis en train de me battre avec ma règle. Voilà. Donc, l'image fait. Ah, c'est un 40. C'est un vrai 30 par 40. Donc oui, c'est un vrai 30 par 40. Voilà. Allez, hop, je vais caler là. On va commencer là. Alors. Un tout petit peu, hein, c'est vraiment pour vous faire voir et après je vous ferai voir l'avancée au fur et à mesure. Elle sera pas finie ce mois-ci ni le mois prochain, je vous le dis tout de suite. Alors je vous fais pas voir le motif parce que je sais que lors d'un avec Cast Red j'avais découvert l'image. Donc là l'idée c'est vraiment pas de découvrir l'image, c'est vraiment de garder la surprise un max hein, quand même. Alors, on va faire les petits cœurs. Et les petits cœurs, je crois que c'est le 310. C'est ça, c'est le 310. Et le 310, c'est le premier qui rime. Bah, c'est le 7. Le 7, c'est celui. Le 310, c'est le 7, c'est celui-là. Le tout. Bon, on va prendre ça. Est-ce que j'ai une pince? La petite pince. Donc l'idée c'est d'avoir quand même de garder le quand même la surprise. Garder la surprise. Par contre je suis agacée hein, j'arrive toujours pas à retrouver mes trucs. J'ai arrêté de chercher de toute manière là, je ça m'énerve parce que autant je suis quasi certaine de pas avoir refait ma Kinder hein, mais alors est-ce que vous voyez bien? Alors la pose, oh, évidemment au moment où je parle de la pose, je fais une boulette. La pose se passe super bien. Avec la fille de Rivière. Poser un petit peu de celle-ci, puis il y a une autre un peu de une autre couleur, comme ça je vous ferai voir l'autre couleur. Mais je l'ai dit à mon mari hier soir quand j'ai vu le truc, je dis oh purée, je dis elle va se
Au niveau des rivières, on va être servi. Oh, les diamants sont jolis là. Alors, le 310 fait un peu effet un petit peu bleuté. Je sais pas si vous voyez bien, mais je me suis pas trompée de référence. Hein. Un petit peu bleuté. Et après, j'ai dit c'était les croix. Et c'est le numéro 2. Là après il faut que je vous tourne la deuxième, une partie encore du défi 2000, du défi 2023, non, du défi que je me suis lancé. C'est le défi point de croix, je vais essayer de me poser un peu, sachant que j'ai encore ma caisse de la semaine à faire. Et bon. Demain, je suis un petit moment chez mon papa, donc je pense que je vais, si j'oublie pas de prendre mon DP, mon point de croix, pardon. Ah, j'aurais aimé vous faire voir une couleur plus claire que les couleurs un petit peu sombrâtres. Ah, le 15 c'est du violet, c'est du 400, du 550, je vais aller le chercher. Est-ce que vous voyez un peu? Non, vous voyez pas beaucoup la différence. Hein. Je vous ferai voir après. Alors, j'ai dit le 15. Je vous ai foutu un why là. C'est le why, je mets le why partout. Je suis Karen. Ben. Le sablier, sinon le 31. La 31, on est toujours sur cette couleur-là. Alors attendez, hop. 31, je vais vous en poser quelques-uns de couleurs. Donc le 11 et le 15, j'ai besoin. Ça y est, je suis partie dans mon truc là. Donc le 11. Et le 15. Donc le 15, j'ai dit que c'était les petits zigouillis, la bizarroïde. Le petit zigoui un peu spécifique. Voilà. Et le 11, c'est les M. Après, vous ferez voir, il y aura eu 5 couleurs posées. Ça brille, hein, je peux vous le dire.
ça brille, ça brille, ça brille. Alors, je vais essayer de pas trop bouger le câble pour pas qu'il tombe. Alors, je vous laisse regarder un petit peu les diamants. Ouais, voilà. On voit la différence des couleurs. Ça brille super bien, franchement. Rien à redire. Voilà les amis, donc bah, je sais que je vais me faire engueuler, mais je kiffe ça, hein. Voilà. Voilà, donc là, moi, mon programme de cet après-midi, ça va être de finir la deuxième partie de vidéo du défi et puis vous faire les montages. Et je pense que les montages, je vais les faire d'un étage plus bas, je vais aller me remettre dans le canapé, parce que là, je pense que... Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.